Yo tout le monde, c'est Jagoubi et on se retrouve sur du The Last of Us Partie 2. Quand on va continuer la suite de nos aventures et que nous avons un claqueur qui est en train d'essayer de rentrer là-dedans, mais je crois qu'il peut pas. Alors, nous allons continuer là. Si il veut se calmer, hein, le claqueur. Bon. Par contre, c'est pas tout ça, mais on doit aller par où? Qu'on a par là. Regarde ce qu'il y en a par. On va réussir à ouvrir la porte encore. Qu'est-ce qu'on a par là? On est dans une grosse phase là. Alors. J'aime pas tous ces trucs. Ah. Sans, elle était d'elle. Où est Abby? Tu respires des spores. C'est toi, la fille. T'es une luciole? Les lucioles n'existent plus maintenant. Où est Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirai? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. C'est bien mangé. Ah, elle est de retour. C'est moi. Ellie. Tu vas bien? Putain. C'est ton sang, ça? Elle s'est planquée dans un aquarium. On va nettoyer tes plaies.
lève les bras. Je l'ai fait parler. Hé. Ça va aller. Je veux pas te perdre. Tant mieux. Ah, on retourne dans le temps, 2 ans plus tôt. Qu'est-ce qu'on va trouver là? C'est pas l'hôpital des Lucioles, ça? C'était pas au 1, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, ça? L'infection l'a clairement muté. Si les résultats de l'examen correspondent aux théories. Ok. Ça parle de la maladie, ça. Demain, à la même heure, on aura bouleversé de l'histoire. Et je me demande si c'est pas l'hôpital des Lucioles en fait. Je me pose vraiment la question. Elle est venue toute seule, Ellie? Ah bah oui. C'était les Lucioles, si je dis pas de bêtises, ça. Elle vient chercher des réponses. C'était bien là, c'est là où il y a eu l'opération, si je dis pas de bêtises, là. Où elle est... Où Joël l'a aidé à se faire tirer d'ici. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est, cette vidéo? Immunisée. Ça changerait rien. La
la seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne... Allez ! Complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Crise d'adolescence. Dis-moi. Ce qui s'est passé ici. Tu mens encore une fois. Je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Mais putain, il t'a sauvé la vie! Ça y est, jour 3. Putain! Je pense qu'elle était en froid avec Joël. Oh la vache, tu as tous les bleus qu'il y a là. On est où là? Ok. Ouais. Elle a été découvrir, en fait, comment c'était. Oh oh. Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël, c'est ton préféré. Putain, on est où là? Mais on est sous-sol ou bien? Thank you.
Tina. Jesse. Ah, on est derrière le rideau, ok. Ils sont où tous les deux? Pourquoi j'ai que ma petite arme là? Et où mon fusil à pompe, tout ce bordel? Non, tu veux pas me dire qu'elle s'est cassée, elle. Ah, elle dort, ok. Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Putain, il a deviné. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On s'en tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ce personnage, il va crever. Salut. Salut, toi. Tu viens de fermer la porte. Ok. En route. Ah, on est deux cette fois. L'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Ok, vas-y. Ok. Allez! Let's go! T'as dit à Dina? On espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. L'aquarium, c'est une base Wolf? Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça? Ouais. Joël s'est brouillé. Avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux.
Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. Une bagarre a éclaté et il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi ? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer ? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie ? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. Mais je sais pas pourquoi, mais lui, il va crever. J'ai une impression, mais... Il va mourir, lui. Merde. Y'a qu'est... Je sais pas. Tu crois qu'on peut couper par le centre de... Peut-être je me trompe. On peut essayer. Ça part là. Qu'est-ce qu'on a par là, alors? Puisqu'apparemment... Faut fouiller. Et est-ce qu'on a tout ce qu'on avait avant? Oui. Je vois de la lumière par là. C'est coincé? On peut toujours pas. D'accord. Ouais. Bon, c'est pas la peine. Ok. Je vérifiais, c'est tout. Ah. Rien. Rien. D'accord, y'a rien. Ah là, y'a quelque chose. What? 48? C'est rien? Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer là? Confectionner les pièges explosifs pour mortels couvrant une surface étant. D'accord. Ah! Un endroit pour. Qu'est-ce que je peux améliorer là? Je peux améliorer un quart de truc là. Et c'est ça. Ok. Je vais te répondre tout de suite. Combien de temps Dina est malade? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolves. Tu serais resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la chercher. Ok. Et j'arrive. Ok. Voilà, on va bien pousser. Par ici. Par ici, venez. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûr qu'elle t'en parlera quand. Et merde! Ce sera pas comme la dernière fois. J'ai la trouille. On a tous la trouille. Ils surveillent toute la côte. Ils vont nous buter avant même qu'on débarque. Allez, courage. Tu parles comme... C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Pense plutôt à ce qui va changer si on réussit. Oh merde. Oh, dégage.
Ça, tu peux le dire. C'est Walt. Ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça. Séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé ? Non. T'as de la chance. Ça, tu peux le dire, t'as de la chance. Sauvage. C'est quoi le délire avec ces affiches ? Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit ? Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Un endroit pour des comics ? Ah, d'accord. Ok, bon, on est chez Marvel, quoi. Ou bien d'ici. Ok, par là, on avance. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis par là? Il y a des chances. Il y a bien des chances. Tout à l'heure, au sujet de Dina, tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Bah, il y avait des chances qu'elle va le garder. Ok. Alors là, on a quoi? Putain de lumière, on n'a pas besoin. Ok. Nouvelle zone. C'est un vrai bordel. L'aquarium. Il est juste à côté de la grande roue. J'espère que Tommy a les mêmes infos. Merde. Va falloir y aller à la nage. Eh oui, mon petit gars, à la nage. C'est une question que je me pose depuis 2 secondes. On va aller par là. On va aller par là, ok. J'entends plus rien. C'était le dernier. Ouh, ok. Ouais, j'ai l'impression. Ok, on allume. Ça sent des problèmes. Ok, par là. Il y en a d'autres.
Juste devant. Loin. Ok. Alors, je pense qu'il faut aller par là. Et je m'imagine qu'il faut aller en dessous. Ouais, vous avez bien pensé. Pour venir, mon petit gars. Je connais bien. Non, je préfère avoir ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a par là? Là, là. Oh, que ce soit là-bas ou là, ça change rien, d'accord. Impasse. Je la fais suicider. Je la fais deux fois suicider. Ah, ok, d'accord. Tu crois que tu peux te glisser là? On va voir. Voilà. Je crois que ça vaut mieux de ce suicide que j'ai fait à la con. Deux fois. Je t'aurais suivi, tu sais. Si tu m'avais dit que tu partais. En fait, je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serais mieux. Mais c'est dégueulasse! Jean-Marc! Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben, t'es plutôt pas mal comme mec, mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi? T'aimes pas les Asiates? Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Quelle petite malotrue cette Penny. Bon. Comment on fait? On descend de là? C'est vrai que c'était une bibliothèque là. Bootscotch, ok. Toujours bien vérifié partout. Toujours. Ah, il y a un truc là. Je vois sur le retour du live quoi, non mais lol quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est carrément tordu. J'ai montré ça aux rayons enfants. Ils avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Ah. Ouais, c'est vrai. Et oui. T'avais un livre préféré quand t'étais petit? Ouais. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats d'espace qui se battent contre. Des fantômes? Des fantômes extraterrestres. Ouais. Ça m'étonne pas de toi. Toujours pas faire machette. Ok. Et toi alors, hein? Bah. Ma mère avait un seul livre pour enfants. L'enfant racine.
C'est un garçon qui se transforme en forêt pour sauver son village. D'accord. Pour éviter que je m'en lasse, ma mère changeait la fin à chaque fois. Une fois, le garçon décidait de laisser mourir tout le village. J'en ai fait des cauchemars. L'angoisse. Mais c'était gentil de sa part de faire ça. Ouais. Elle est super, ma mère. Par contre, elle va péter un plomb en apprenant pour le bébé. Ouais. Je vais bien te croire. Bordel. Il s'est passé quoi, ici? Ces types peuvent vraiment pas se saquer, on dirait. Je crois que ça remonte à plusieurs années. On me demande comment ça a commencé. Ça, c'est une bonne question. Et je me demande si c'est pas à cause des lucioles, en fait. Pour tout ce que ça a depuis... Ah, des flèches. Toujours bon à avoir, ça. Wow. Wow. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Viens, on retourne dans la rue. Ouais. Ah ouais. C'est par là, je pense. Ouais. Des munes. Ça, ça veut dire qu'il y aura une phase de combat. J'imagine que c'est par là. T'inquiète, il y en aura assez pour tout le monde. Je crois qu'elle a flairé quelque chose. Les intrus ! Allumez-les ! Ok. On les a perdus. Allez, on se disperse. Débusquez-les. Bouge! À ta gauche, il a un fusil. Il me voit où?
J'imagine que c'est par là, je pense. Je pense que c'est par là. Ok. Ok, on monte. Ah, il y a quoi là? C'est quoi ça? Ah, rien. C'est rien. Hop, par là. Par là. Ah, on peut améliorer nos armes, mais je pense qu'on n'a pas grand chose. Effectivement, on n'a rien. Ah, ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou toujours pas. Non, on peut rien faire. Ok. On ne peut rien faire. Ok. Alors, on va aller par là. Voir ce qu'on a. Hop. Alors, on était par là. Faut aller par où ? Faut qu'on monte là. Non. Dégage, Jean-Michel. Je pense qu'il faut y aller. Par là. Je pense par là. Ah oui, par là, d'accord. J'ai fait une petite pause, c'est pour ça que j'étais un peu paumé, mais... What? Construction là. Putain. Comment on va faire pour traverser? On pourrait prendre cette route. Mais putain, ça fait long. Sinon, il y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Bien. Par là. Ok. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? On bute ces types et on leur fauche leur bateau? On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. J'espère qu'ils sont pas nombreux. Alors ça, je sais pas, il y a bien des chances que ça va être la merde. Ok. Il y avait un truc là. Ah, il y avait un truc. Ok. Oh, quel bordel. Je le crois pas. Qu'est-ce que tu crois pas? On va aller par où par, hein? Ah ouais, par là. Vas-y, c'est bon. On est bon. Bon. Je pense pour cet épisode-là, on va s'arrêter là.
J'espère que la vidéo vous aura plu, hein. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir, c'est du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite au prochain numéro.